Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment rétrograder de Windows à Windows 8.1 ou Windows 7 à partir du démarrage. Si pour une raison quelconque, vous n'avez plus accès à votre bureau, vous pouvez néanmoins rétrograder à la version précédente. Donc pour ce faire, il faut démarrer en mode sans échec. On allume. On éteint, on rallume, on l'éteint, donc en restant toujours appuyé sur le bouton, et on rallume. Et là, à la troisième fois, vous avez donc préparation de la réparation automatique. Donc il lance un diagnostic. On arrive donc ici, on a réparation automatique, on va à droite dans options avancées, ensuite tout en bas ici dans dépannage, encore en bas options avancées, ici on a voir plus d'options de récupération, rétrograder vers la version précédente. On confirme que l'on rétrograde vers la version précédente. Et donc ça va désinstaller Windows 10 et ça va vous remettre Windows 8, 8, 8.1 ou Windows 7. Voilà. Donc après un ou deux redémarrages, vous allez pouvoir retrouver votre système comme avant et complètement opérationnel. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.